Hey, salut à toutes et à tous, c'est Tranu et on se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode du tutoriel pour construire une ville moderne sur Minecraft. Déjà le 21e et du coup aujourd'hui on va s'attaquer à la construction d'une pharmacie qui sera donc à côté de l'hôpital qu'on avait réalisé il y a quelques épisodes déjà, hein, donc 2 ou 3 épisodes. Comme d'habitude je vous invite à vous abonner et à liker, commenter pour soutenir la chaîne et me motiver, voilà, on progresse très rapidement et c'est vraiment génial, du coup il faut continuer comme ça, donc je vous invite à vous abonner et du coup on va tout de suite commencer avec la construction de cette pharmacie. Alors cette pharmacie elle sera globalement verte, bleue, blanche et en bois, donc on va appeler ça orange marron, hein. Donc du coup on va commencer par prendre un petit peu tous les matériaux dont on aura besoin. Donc du coup il nous faut des planches, des escaliers, alors j'en ai déjà ici, il va nous falloir des blocs blancs évidemment, du quartz, tout ça on a, des vitres blanches, alors les vitres blanches elles sont par ici, voilà, et des blocs verts. Alors j'ai pris des blocs verts qui pètent, voilà, ceux-là ils sont parfaits, ils pètent bien comme il faut. Du coup on va attaquer sans plus tarder, on va commencer par exemple ici, hop, en mettant donc 4 blocs de bois, 1 2 3 4 comme ça. Ensuite on va mettre des escaliers à l'envers en bois, 1 2 3 4, 5, donc on en met 5, ensuite on en met 5 au-dessus en symétrique, donc à l'endroit cette fois-ci, comme ça, et on met 1, 2, 3, 4 blocs de l'autre côté, oups, comme ça. Bon, j'espère que j'ai bien centré, à mon avis je suis un peu trop sur la droite, du coup je te place juste ça sur la gauche, ouais, juste là à peu près. Hop, 2 petites secondes, le temps que je modifie. Voilà, ça, ça bouge. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va venir mettre... alors, on va tout de suite venir prendre aussi des vitres vertes que j'avais oubliées. Voilà, et on va venir en mettre là. Hop, pour faire une première fenêtre, une fenêtre à l'avant, comme ça. Donc, quand on a fait ça, on se décale de 1 vers l'intérieur et on fait un pilier blanc comme ça. Hop, on l'enfonce un petit peu, on compte 3 blocs et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ça, donc à 4 de haut. Là, on vient mettre des escaliers en quartz à l'envers. Et ici, on va venir tracer... Alors, on va venir mettre... 3 escaliers blancs en quartz comme ça, un qui donne vers la gauche, un qui donne vers la droite, 2 demi-blocs de quartz de chaque côté, et ça on va aller tirer hop, jusqu'ici en faisant dépasser de 1, et on va le ramener là, comme ça. Une fois que c'est fait, on prend des blocs verts comme ça, hop, on en met ici, on étire ça jusqu'ici, en fait même jusque plus loin, jusque là pour l'instant, comme ça, voilà, et quand on a fait ça, on se place, alors est-ce qu'on fait l'étage tout de suite, ouais, allez on va le commencer tout de suite, quand on a fait ça, on se place à peu près ici même, on met un bloc, et là on va compter 1, 2, 3, 4, 5 vers le haut, comme ça. Ensuite, on compte 3 blocs verts, 1, 2, 3, et on en remet 5 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, normalement, si vous avez bien fait vos choses, hop, ça tombe pile au niveau du coin vers là, et on peut venir ici combler en finissant de mettre des blocs, comme ça. Là, on va refaire une fenêtre verte, comme ça. Ok, donc là on est plutôt bien, on avance. Alors, la grosse fenêtre là on la fera plus tard. Donc on va tout de suite continuer par ici.
Alors, si on bifurque un peu sur le côté, on peut hop, refaire un pilier blanc comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va venir en bas et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, et c'est tout. Hop, et on fait la jonction pour refaire à nouveau une vitre verte. Alors il y aura pas mal de vitres vertes. Ici, on peut en profiter pour faire la porte. Porte que j'avais faite comme ça. Et derrière, on peut mettre des blocs blancs. Voilà. Hop, donc on va continuer un petit peu sur le côté où on en était. Alors quand on a fait ça, on va remettre deux rangées de blocs comme ça pour rentrer vers l'intérieur. Hop, on comble au-dessus avec des demi-blocs en quartz. Et ensuite, on va venir étirer avec du verre comme ça jusque là. De cette manière. Ça, on peut l'étirer vers le bas directement. On se place là. Hop, et on pose 4 blocs. Ensuite, 3 vers l'extérieur. Et ça, hop, on vient l'étirer jusqu'en bas. Comme ça. Alors ici, on va changer, on va varier. Du coup, on fait une fenêtre blanche cette fois-ci. Bon, globalement, quand on construit blanc, on fait une fenêtre verte à l'intérieur et vice-versa quand on construit vert. Donc ça donne ça. Et ici, on va venir mettre un petit peu de bois. Hop, du coup, on met 4 bûches comme ça, 4 planches, pardon. On met 2 escaliers en haut, 2 en bas. Et on en remet 4 à gauche, de cette manière. Et là, on vient mettre, hop, des fenêtres blanches, comme ça. Au-dessus, on met des demi-blocs. Vous voyez, ça fait une géométrie un peu particulière et complexe, sans être trop difficile non plus. Et quand on a fait ça, du coup, on part vers l'arrière du bâtiment. Alors pour ça, on pose 4 blocs verts comme ça. Oups. Et on va étirer ça jusqu'en haut, au milieu et sur l'extrémité droite. Alors non, comme ça. Ici, on vient une nouvelle fois combler. Voilà. On continue de tourner. On se retrouve ici. Hop. Quand on est là, on rallonge le mur de 2 d'épaisseur vers l'intérieur. Ensuite, on fait une petite fenêtre qui fait l'angle. 1, 2, 3, comme ça. Donc pareil en comptant 2 blocs d'écart au-dessus. Voilà. Ici, on met du quartz et là, un bloc vert. Ici, on va venir combler avec une nouvelle fois des blocs verts. Et ensuite, hop, on pose du blanc là, comme ça. Ce blanc, on va le continuer ici. Et je pense qu'on est pas mal. Donc à peu près comme ça. Ici, on vient mettre cette fois-ci un escalier, un deuxième, on bifurque. Et on en remet deux, comme ça. Quand on a fait ça, on met deux blocs là et deux autres ici. Puis du coup, on vient fermer en faisant hop, une grande ligne sur la droite, comme ça. Alors quand on a fait ça, on vient combler ici en laissant de la place pour faire une nouvelle fenêtre. Ça donne ça. Et là, on peut venir mettre les vitres aux différents endroits, c'est-à-dire ici, donc des vitres vertes puisqu'on est sur fond blanc, ici une nouvelle fois, même principe, et une dernière fois, là. 1, 2 et 3, comme ça. Alors vous allez voir qu'elle est vraiment lumineuse pour le coup, parce que bah, y a beaucoup de fenêtres, donc ça c'est plutôt bien. Alors quand on a fait ça, on va faire l'arrière du bâtiment, donc une sorte de petit pan de mur qui sort. Donc pour ça, on tire une ligne comme ça qui monte jusqu'en haut, de 2 d'épaisseur. Voilà. Alors là, on peut déjà mettre un bloc en prévision de la suite. On met 3 blocs blancs en haut. On recompte 2. Et là, on va refaire un pan de mur de 2.
Donc 1, 2, 3, 1, 2, et là c'est reparti jusqu'en haut. Comme ça. Et là on va faire une croix. Puisque bon, c'est une pharmacie, hein, du coup on fait une croix verte qui ressemble à ça. Et ensuite on va faire une énorme vitre qui part du bas jusqu'en haut et qui redescend sur la gauche. Tac, 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 tac. Là on est pas mal. Et du coup, quand on a fait ça, on va s'attaquer au côté droit et après il ne restera plus que le toit à faire. Alors pour le côté droit, on commence par retirer une ligne ici comme ça. Là, on va mettre 7 blocs de bois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'ici. Là, 2 d'épaisseur et on monte à 4 blocs de haut. Hop, et on ramène ça sur la gauche en faisant la jonction. Ici, évidemment, on vient remettre une fenêtre qui sera verte, comme ça. Et hop, on vient mettre des demi-blocs, donc des dalles de quartz tout du long, sur la longueur. Une fois que ça, c'est fait. Alors moi, je suis un peu short parce que j'ai le deuxième bâtiment qui me colle. Mais globalement, vous mettez 1, 2, 3 blocs comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on fait un gros pan de mur. On recompte 3 blocs. 1, 2, 3. Et on en remet 3 vers le haut. 1, 2, 3. Comme ça. Là, on n'a plus qu'à fermer par au-dessus. Et on met ensuite des blocs verts pour faire les vitres. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on vient mettre des demi-blocs de quartz tout du long. Et on finit, hop, en mettant un peu de bois comme ça pour faire l'angle. Tac, tac. Donc là, on est vraiment pas mal. Quand on a fait ça, on revient un petit peu à l'arrière du bâtiment. Et on va mettre un petit peu de verre. Alors, on va le mettre là. Donc des blocs verts comme ça, tout du long. On les met aussi ici, là. Et ça, on verra par la suite. Donc, on revient ici, on a mis nos blocs verts, ce qui va permettre de nous repérer. On se met à un bloc ici du bord, donc là. Et on compte 4 blocs blancs, comme ça, sur 2 d'épaisseur. 1, 2, 3, 4, et on arrive au bout du coup. Hop, on monte, on arrive là, et là, on fait une fenêtre verte. Comme ça. Ici, il n'y a plus qu'à faire la jonction avec le bout de bâtiment qu'on avait déjà fait. Comme ça. Là, on vient mettre, hop, des demi-blocs de quartz tout du long. On tourne vers la droite. Et alors, quand on est là, on vient combler jusqu'ici. On laisse un bloc de libre. Et donc ça, on le fait sur 4 de haut, pas de fenêtre cette fois-ci. Et voilà, on met des demi-blocs par-dessus. On arrive donc petit à petit à l'avant du bâtiment. Donc là, on vient faire la jonction comme ça. On met deux blocs blancs ici comme ça. Hop. Et on monte jusqu'à dépasser de 1,5 bloc ce qu'on avait fait en quartz, comme ça. Et ensuite vient la partie la plus marrante, c'est-à-dire la partie avec la vitre avant. Donc on met un bloc vert de chaque côté. On prend la vitre blanche. Et là, on en met 3 ici, 3 là de côté et 3 au centre, comme ça. Quand on a fait ça, on en remet 3 à gauche. Une ici, là on laisse un trou, hop, on en remet 3 à droite, une ici, et là dans le trou on va venir mettre un bloc vert. En fait on va refaire une croix comme ce qu'on avait fait derrière. En fait on fait directement la croix, comme ça, et ensuite il n'y a plus qu'à combler en l'entourant de vert directement, et en venant faire la jonction ici avec le mur. On fait pareil à gauche,
comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, globalement, on a presque fini. On n'a plus qu'à faire le toit. Alors, pour le toit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du quartz ici. Donc, des demi-blocs en quartz. On fait ça au-dessus pour pas que ce soit trop gros. De loin, vous voyez que c'est plutôt bien. Ça, on va faire, on va l'étirer jusqu'au bout. Alors, j'avoue que je sais plus comment exactement j'avais fait ça. Je vais sûrement laisser un bloc là d'écart. Oups, donc on fait ça. Hop, donc on laisse bien un bloc d'écart tout autour. Quand on a fait ça, on vient ici mettre des blocs blancs en dessous, comme ça. Et là, on va venir chercher, voilà, de la pierre. Hop, comme ça. Et ce qu'on va faire, alors on peut les prendre en dalles ou en pierre, ça importe peu. Des dalles ou en blocs, pardon. Et on vient ici combler jusque-là. On a ça, ici, hop, on fait la jonction. Là, pareil, on étire jusqu'à faire la jonction ici. C'est parfait, tout va bien à ce niveau-là. Et au-dessus de cet endroit, alors on va commencer par remettre quelques blocs ici jusque-là. Alors au-dessus de cet endroit, je ne sais plus exactement ce que j'avais fait, mais je pense qu'on va partir sur un petit toit, hop, avec des demi-blocs comme ça, pour donner un peu de relief. Voilà. Hop, hop, comme ça le toit ici il est fait, le toit là il est fait. Là, ça fait un toit assez compliqué aussi. Et ici on va faire un gros boudin, je pense. Donc pour ça on va retirer une ligne en dessous de celle qu'on avait déjà faite tout à l'heure, sans tout casser, faites pas comme moi, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bah, je pense qu'on va venir. Alors, ouais, on va venir directement finir le toit avec des demi-blocs. Voilà, là on est pas mal. Voilà. Ce qui finit normalement la pharmacie. Donc vous voyez que c'est quand même un bâtiment assez complexe, il est plutôt pas mal, je l'aime bien. Et si on va à l'intérieur, il est très très lumineux, je vous avais pas menti. Alors si vous voulez faire un étage, je vous montre. L'étage, je vous conseille de le faire, je vous conseille, ouais, de le faire à ce niveau-là. Donc au niveau ici, vous faites une grande ligne avec je ne sais pas quel matériau. Peut utiliser ça par exemple, hein. Hop, et vous faites l'étage à ce niveau-là. Ici, c'est parfait. Normalement, ça arrive pile en dessous de la fenêtre. Ici, vous pouvez mettre un escalier. Alors, un escalier en colimaçon. Donc, pour ça, vous mettez des demi-blocs qui montent comme ça, tranquillement, jusqu'à arriver à l'étage supérieur. Donc, là, par exemple, bah, ça donnerait ça. En gros, vous aurez votre étage qui arriverait là, quoi. Comme ça. Donc vous voyez, on a un petit escalier en colimaçon qui nous permet de descendre. Hop, vous pouvez vous amuser à tout remplir pour faire l'étage. Voilà, vous voyez que ça arrive vraiment pile au bon endroit à chaque fois. Ici, c'est pas trop gênant si on a la vitre entre deux. Puis il n'y a plus qu'à tout combler. Et vous avez votre pharmacie qui est faite. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour le 22e épisode. Ciao, ciao tout le monde!